get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up. Hey, bien, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Et aujourd'hui je vais vous parler des agents que je préfère sur Rainbow Six et les agents que je vous conseille le plus pour débuter sur Rainbow Six Siege. Donc on va commencer par l'attaque et par les agents que je conseille pour les débutants. En parlant de débuter, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un petit youtubeur qui s'appelle Crazy Wolf qui fait des vidéos sur Rainbow Six majoritairement, mais il fait Overwatch, etc. Et il a fait une vidéo comment bien débuter, où il résume en gros qu'il faut tout simplement aller voir les didacticiels qui sont ici. Vous pouvez aussi ça va vous rapporter 800, vous pouvez aussi faire les situations, ça rapporte énormément d'argent, ça rapporte 600 avec les trois défis à chaque fois qui sont faits. Vous pouvez aussi vous connecter à Ubisoft Club pour avoir un booster et des renommées, etc. Donc il explique un peu comment débuter, etc. Il fait ses premières parties avec un compte niveau 0. Et il fait du très bon travail, il y a des bonnes miniatures, il y a un bon commentaire. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, je la mettrai dans la description. Et donc moi je vais maintenant vous parler des agents que je peux vous conseiller pour débuter Rainbow Six. Déjà pour l'attaque, je vais vous conseiller Sledge. Alors Sledge, il a deux armes principales et deux armes secondaires. Il a un fusil à pompe en arme principale que j'aime bien, le fusil à pompe d'SS est assez efficace. Ou la LK85A2 qui est aussi une arme bien. Elle est assez stable, elle a des bons dégâts, elle a une cadence un peu faible et elle a 30 de capacité, donc ce qui est standard. Moi perso j'aime bien le jouer au fusil à pompe, mais la L85 est bien aussi sur la petite map, le fusil à pompe sera plus efficace. Et en arme secondaire il a un pistolet 9 mm, une arme de poing et une SMG11 qui est un pistolet mitrailleur avec 16 de munitions à l'intérieur. Et en gadget il a soit des grenades frag, soit des grenades flash, en sachant que la majorité des gens l'utilisent avec les grenades frag. Donc pourquoi est-ce que je peux vous conseiller cet agent pour débuter, tout simplement? Déjà dans un premier temps parce qu'il a 2 de vitesse et 2 de protection, donc ce qui lui offre une polyvalence en fait, tout simplement une polyvalence. Il va vous permettre de pouvoir prendre des lignes avec la L85 par exemple, avec la COG, de pouvoir rusher l'ennemi si vous avez le pompe ou avec la SMG, de pouvoir jouer agressif ou à longue portée, ce qui va vous permettre de pouvoir trouver votre style de jeu dans Rainbow Six, ce qui est très important si vous êtes plutôt agressif ou plutôt tempo. Voilà, les agents de 2 protection et 2 de vitesse seront très utiles pour trouver votre style de jeu. Voilà, et puis il a un gadget qui est quand même assez pratique, il a une masse tout simplement, et cette masse va lui permettre de pouvoir faire des trous dans les surfaces destructibles, donc les murs, les trappes, le sol, les fils barbelés, les one shot alors qu'il faut 3 coups de crosse normalement, ou encore les barricades castle ou les barricades en bois. Il va pouvoir casser tout ça avec sa masse, à noter que vous avez 25 coups tout simplement. Et donc voilà, c'est tout pour Sledge, donc un personnage en attaque que je vous conseille énormément. Un autre personnage en attaque que je peux vous conseiller, ce serait Twitch. Pourquoi Twitch? Tout simplement Twitch, déjà là le FAMAS qui est une arme très efficace à haute cadence, donc si vous aimez les armes à haute cadence en attaque, ce sera très efficace. Elle peut aussi avoir la 417 qui est un DMR, un fusil de précision, voilà, qui est aussi très efficace. Il a une cadence, enfin on peut enchaîner les coups qui assez rapidement. Elle a seulement 10 de munitions, 11 quand il y a une balle dans la bouche, dans la branche, je sais plus comment on dit, enfin bref. Elle est quand même assez précise, elle relève pas énormément et je la trouve quand même très efficace. Et après il y a le pompe du GIGN qui est juste ici, que je joue très rarement,
Donc le pont que je peux aussi vous conseiller, mais pas trop en attaque les fusils à pompe, plutôt en défense. Voilà, donc partez plutôt sur le FAMAS, vraiment. C'est une arme de choix. En arme secondaire, soit le P9, soit le Magnum. Je vous conseillerais de commencer avec le P9 et puis après de vous entraîner à jouer au Magnum quand vous aurez maîtrisé l'agent, parce que le Magnum est quand même une arme qui demande de la maîtrise comme le Deagle. Et en gadget, elle a une clé mort ou une charge explosive. Enfin, trois charges explosives, pour être exact. Pourquoi je vous conseillerais Twitch? Tout simplement, comme Sledge a deux de protection et deux de vitesse, ce qui lui offre de la polyvalence. Vous pouvez mettre à la fois un viseur holographique ou réflexe pour faire du contact avec la FAMAS, ou même un viseur à coque pour prendre des lignes à plus longue distance. Voilà, donc c'est une arme qui est très polyvalente, un agent qui est très polyvalent. La FAMAS couche quand même très rapidement les ennemis. Et son gadget, c'est un drone à électrocution qu'on voit juste ici, sur sa jambe gauche, ou derrière. Ah non, il est derrière. Il est derrière, il est juste là. Donc, si on prend l'uniforme, est-ce qu'on voit mieux? On peut mettre au plein écran. Changer de vue, voilà, là on voit. Vous voyez son drone électrocution qui est juste derrière elle. Ce drone électrocution, il va tout simplement lui permettre de... Elle en a deux. Ça va lui permettre, quand elle le déploie, elle va pouvoir détruire les gadgets ennemis. Donc c'est plutôt efficace. Et ça rend énormément service à l'équipe quand vous détruisez les Jaeger, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un agent que je vous conseille en attaque. Il est aussi polyvalent le temps que vous trouviez votre style de jeu. À savoir que ces deux agents sont quand même piques, mais ça reste raisonnable. Ils sont pas trop utilisés par par la communauté, donc ce sera très rare qu'ils seront piques, donc vous pourrez les utiliser assez fréquemment. Si j'ai d'autres agents à vous conseiller, je vous conseillerais pas trop de Termite parce qu'il est quand même très utile dans une game, maintenant moins vu qu'il y a Ibana, mais Termite est quand même ultra utile. Il a des charges qui lui permettent de détruire les murs renforcés des ennemis, donc je vous conseillerais de le prendre si vous êtes à l'aise avec les 2-2, que vous connaissez déjà votre style de jeu et que vous ne mourrez pas dans les 10 secondes qui viennent au début de la manche. Voilà, les boucliers, je vous conseille d'attendre un petit peu pour les utiliser. Si vous devez utiliser un bouclier, je vous conseille Montagne pour le teamplay et Blitz pour jouer en solo. Fuse est aussi très efficace, je peux vous le conseiller. Si vous voulez énormément de protection, il sera utile. Pardon. Donc Fuse, il a trois armes principales. Il a un bouclier balistique, donc que je déconseille énormément. Les deux autres armes sont beaucoup plus efficaces que ce bouclier. Une batteuse qui peut être utile si vous êtes en style de jeu plutôt soutien pour faire du tir de suppression ou en chasse aux terroristes aussi. Et une AK-12 que je vous conseille énormément. La AK-12 est très bonne, elle est très bonne. Elle a 30 balles, elle a des dégâts qui sont très corrects, une cadence de tir très correcte également, et pas trop de recul, elle est vraiment géniale. En arme secondaire, on a le PMM ou le GSH-18, alors ça c'est à choisir, soit moins de balles dans le chargeur, mais plus de dégâts, soit plus de balles dans le chargeur, mais qui fait moins de dégâts, et avec moins de recul. Voilà, donc là vous choisissez, c'est à vous de voir si vous êtes plutôt. C'est à vous de voir si vous préférez la sûreté avec plus de balles dans le chargeur ou faire plus de dégâts à l'ennemi. Il a aussi des charges et des flashs, donc là aussi c'est à vous de voir si vous êtes plutôt breacher avec fuse ou plutôt agressif pour balancer des flashs avant de rentrer. Fuse, qu'est-ce qu'il a comme gadget? Fuse a tout simplement une charge murale à sous-munition, comme ils le disent, qui expédie des grenades à travers les parois destructibles comme les castles, les barricades en bois, le parquet destructible et les murs. Ça va balancer 4 palets, je crois, il me semble, 4 grenades qui vont exploser tout autour, 4 ou 5 qui vont exploser tout autour de tout autour devant la charge, ce qui fait énormément de dégâts dans une salle d'objectifs. Et en plus, il était buff depuis quelques mois déjà, je me souviens plus exactement. Et maintenant, il est complètement cheaté. Si vous n'avez pas de Jaeger, vous êtes mort si vous êtes objectif. Donc, il a 3 charges à sous-munition. Et ces 3 charges expédient des palets qui ont plusieurs mètres
d'importance en fait. Quand il explose autour du palais à au moins 3 mètres, vous subissez des dégâts ou vous mourrez même. Donc il est ultra OP. C'est vraiment un agent, si vous voulez faire du frag avec, si vous voulez nettoyer un objectif avant de rentrer, c'est vraiment le must. Vous balancez ses charges, il n'y a plus personne dans l'objet, vous rentrez direct en rappel avec une charge et on n'en parle plus. Donc c'est un agent qui a 3 de protection par contre et 1 de vitesse, donc il faut s'être habitué aux agents qui sont lourds. Et c'est d'ailleurs le seul agent en attaque qui a 3 de protection et 1 de vitesse et qui n'a pas de bouclier avec un pouvoir. Il a un bouclier certes, mais il est presque pas joué. Et les autres qui ont 3 de protection et 1 de vitesse en attaque, c'est Montagne qui a un bouclier obligatoire et Blitz qui a aussi un bouclier obligatoire. Tout simplement. Voilà, ça c'était pour les agents normaux. Je peux aussi vous conseiller Thatcher, mais c'est un peu comme Termite. C'est la paire Termite et Thatcher. Je peux vous le conseiller. Il a des grenades IEM pour neutraliser les gadgets ennemis. Mais il fait paire avec Termite. Et s'il n'y a pas de Thatcher dans une équipe, si vous mourrez et qu'il y a encore Termite et qu'il y a un bandit ou un mute en face, vous ne pourrez pas passer. On va maintenant passer aux agents des DLC. Que je peux vous conseiller en premier. Donc les agents du DLC, des DLC, je vous conseille de les prendre après avoir débloqué tous les agents du jeu qui sont là à la base. Donc le SAS, le FBI SWAT, le GIGN, les Spetsnaz, le GSG9. Après avoir débloqué tous ces agents du jeu normal qui coûtent de 500 à 2000 de renommée, vous pouvez débloquer les agents des DLC qui coûtent 25 000 chacun. Et en attaque, qui est-ce que je pourrais vous conseiller? Je peux vous conseiller Buck si vous aimez les armes à haute cadence et être un petit peu autonome comme un peu Sledge parce qu'il a un passe-partout en dessous de son arme, ce qui lui permet de détruire des trappes, des murs pour pouvoir passer à travers, et c'est quand même ultra efficace. Et il peut partir tout seul dans la map. En gros, vous faites 3 groupes, 2 groupes de 2, et puis Buck qui part tout seul, et c'est quand même assez efficace. Il est efficace quand il joue solo, en fait. Vous avez aussi Blackbird qui est extrêmement pique dans les Pro League, dans les compétitions. Même après son nerf, il a été nerf, il a 2 boucliers maintenant qui sont pare-balles avec peu de points de vie par rapport au début du jeu. Très très peu de points de vie, donc ça vous permet de gagner des duels à coup sûr presque. Donc voilà, je vous le conseille. C'est peut-être un agent qui est assez pratique pour progresser parce que vous prendrez moins de têtes, mais voilà, il est quand même assez pique pour défendre, pour prendre une ligne. Il est quand même assez efficace, donc je vous le conseille aussi. Capitao est un peu plus dur à utiliser, il est plutôt utile pour la sécu de zone ou la bombe. Quand vous sécurisez l'objectif ou quand vous désamorcez la bombe, vous balancez ses flèches enflammées et les flèches fumigènes, et puis vous pouvez tempo. Il a des armes qui sont aussi très efficaces. Par contre, il a 1 de protection pour 3 de vitesse, donc faut aimer les agents rapides. Ensuite, vous avez Ibana, pareil que Capitao, elle a 3 de protection, 3 de vitesse et 1 de protection. Elle, c'est le mélange entre H et Termite. En gros, elle a des charges à distance qu'elle peut poser, qu'elle peut tirer plutôt sur les murs renforcés, ce qui va permettre de les trouer, enfin de les percer tout simplement. Elle a aussi des armes efficaces, à savoir que son fusil d'assaut n'a que 20 balles dans le chargeur, ce qui est quand même très très peu. Et elle a une SMG qui, elle par contre, a 26 balles dans le chargeur. Donc je peux vous la conseiller aussi. Et Jackal qui vient de sortir il n'y a pas longtemps du GO, lui, je vous conseille beaucoup moins, comme Capitao. Il permet de chasser les roamers tout simplement, de savoir où sont les ennemis. Il a un équipement sur les yeux qui lui permet de voir les traces de pattes des ennemis, de les scanner pour savoir qui est en face, tout simplement. Donc pour résumer, je vous conseille Blackbird pour débuter, ou enfin Blackbeard plutôt. Buck si vous êtes quand même un petit peu plus expérimenté pour jouer solo, il peut être très pratique, ou Ibana parce qu'elle a un pouvoir qui est quand même assez important. On va maintenant passer à la défense et je vous parlerai ensuite des agents que j'aime le plus en attaque et en défense. Donc en défense, je peux vous conseiller soit Smoke, soit Mute, d'ailleurs plutôt Mute. Mute, il a tout simplement des brouilleurs qui vont lui permettre de brouiller déjà les drones.
Et les charges explosives quand elles sont posées sur des murs, comme termites par exemple, c'est pour ça qu'un Thatcher ou un Twitch est assez important dans l'équipe quand il y a un termite ou un Ibana, ce qui va permettre de détruire les mutes ou même les bandits qui peuvent empêcher le perçage des murs renforcés. Donc Mute, lui, il a deux armes principales. Il a la MP5K en premier, qui est une arme très précise quand même. Elle fait pas beaucoup de dégâts, elle a une cadence très correcte, avec 30 balles dans le chargeur, donc c'est la moyenne. Et elle est, comment dire, elle n'a pas énormément de recul, donc c'est toujours appréciable. C'est une MP5 en même temps, et elle a une poignée intégrée, donc ça peut vous faire des économies dans l'achat, parce que du coup, vous avez un onglet de moins pour personnaliser les accessoires, la poignée en moins, ça peut vous permettre de faire des économies, donc c'est toujours ça, surtout qu'une poignée, ça coûte, une poignée, ça coûte 50, je crois, donc vous économisez 50 de renommée, c'est toujours ça. Et il a aussi le fusil à pompe du SAS qui a avec Sledge, Thatcher et Smoke aussi. Donc il est aussi très efficace, c'est un des meilleurs pompes coup par coup. Il a aussi le P226 MK25 qui est aussi efficace. Malheureusement, il n'a pas la SMG comme Sledge ou comme Smoke. Il peut avoir une nitro ou un bouclier déployable. Donc pourquoi je vous le conseillerais, il y a déjà deux de protection et deux de vitesse encore une fois. Et puis son gadget qui est quand même très pratique et très simple d'utilisation. Smoke, lui, c'est un peu plus compliqué de s'en servir parce que, bon, en fait, il est simple au gameplay, mais pour s'en servir le mieux possible, il faut avoir un petit peu d'entraînement. Donc il va être très utile pour les tempos, pour tout autre mode de jeu que otage, donc sécurisation de zone et bombe. Quand les ennemis vont commencer à vouloir rentrer, quand il reste peu de temps, vous balancez vos grenades fumigènes, du gaz toxique, ce qui va permettre de ralentir les ennemis, ils vont se prendre des dégâts, vous allez même pouvoir les tuer avec ces grenades toxiques. Donc c'est très pratique et il faut un peu d'expérience pour lancer les grenades, tout simplement pour savoir quand les lancer exactement et où, tout simplement. Donc, pourquoi je vous le conseillerais encore une fois, il a deux de protection et deux de vitesse. Son armement est très bien. Il a une FMG9, pardon, en mitraillette. Donc, qui fait 29 de dégâts. Donc, pas beaucoup. 800 de cadence de tir comme l'MP5K de Mute. Et encore 30 de capacité. Donc, c'est encore la moyenne. Elle est aussi très précise. Elle a beaucoup. Elle a pas beaucoup de recul. Et encore une fois, il n'y a pas de poignée, donc ça peut encore vous faire des économies. Le fusil à pompe est encore disponible. Je vous conseillerais aussi, tout simplement, parce qu'en arme secondaire, il a une SMG11 qui peut être votre arme de longue distance et votre fusil à pompe pour faire des trous dans les murs, pour détruire les trappes et pour la courte distance. Il a aussi des grenades à percussion ou des fils barbelés. Je vous conseille les grenades à percus, c'est assez efficace je trouve, mais il faut pas oublier que les fils barbelés sont aussi très très efficaces en défense. C'est vraiment une plaie quand on attaque, quand on marche dans des fils barbelés. Donc je vous conseille plutôt les grenades à percussion, mais les fils barbelés sont aussi très utiles. Ça dépend, si vous restez objo, ce sera plutôt fils barbelés, mais si vous êtes un petit peu autour de l'objectif, c'est grenades à percus. Voilà. Un autre agent que je pourrais vous conseiller, ce serait Rook. Si vous aimez les gros balourds qui ont de la vie, mais pas beaucoup de vitesse, Rook est très utile. Il a tout simplement un sac de blindage qui peut poser par terre. Son blindage, il va tout simplement servir à ce que votre équipe soit obligatoirement à terre, sauf en headshot. Donc si elle passe, si par exemple... votre équipe, un coéquipier passe sur une clé mort ennemie, il va être à terre et il ne va pas mourir sur le coup. Voilà. Et qu'il y a aussi beaucoup plus de chances quand on vous tire dans le corps que vous soyez à terre directement et non pas mort directement comme on peut voir. Sauf, encore une fois, si vous prenez un headshot c'est direct, vous mourrez. Donc en équipement, il a soit une P90 qui est une arme à très haute cadence mais aussi à très haut recul. Avec pas beaucoup de dégâts, mais 50 munitions et encore une fois une très haute cadence. Pardon. Donc, elle, je vous la conseille pour du courte portée. Elle est vraiment très efficace pour ça. Mais je vous conseillerais plutôt de jouer Rook avec la MP5, avec le viseur à cog et une poignée inclinée, une poignée verticale plutôt. La MP5, vous la connaissez sûrement tous.
des dégâts assez faibles, une cadence de tir très correcte et 30 de capacité avec un très faible recul. C'est vraiment une arme, ils disent l'arme de choix du FBI, enfin du GIGN plutôt. Elle est très efficace pour faire des spawn kills ou pour prendre des lignes sur objo. D'ailleurs, les spawn kills, je vous conseille de les faire quand vous êtes un petit peu plus expérimenté. Mais voilà, la MP5 est une valeur sûre, elle est très efficace. Et le fusil à pompe, si vous voulez vous taper des délires au fusil à pompe ou que vous aimez le fusil à pompe, je peux vous le conseiller, mais je vous conseille vraiment la MP5. Et en arme secondaire, vous avez soit le Magnum, soit le P9. Encore une fois, comme pour Twitch, plutôt le P9 quand vous débutez et après partez sur un Magnum. Et ensuite, bouclier déployable ou grenade à percussion, ça vous faites votre choix si vous voulez vous planquer derrière un bouclier ou faire des trous entre les deux bombes. D'ailleurs, au passage, ne jamais renforcer entre les deux bombes. Voilà. Donc, je répète, 3 de protection et 1 de vitesse. Si vous aimez les balourds, faut choisir lui. Il y a aussi Capcan qui peut être efficace. Capcan, il déploie des pièges. Donc, il est très simple à l'utilisation. Mais je vous conseillerais plutôt enfin, le choix du positionnement de ces pièges est très important. Moi, je pose les pièges plutôt aux entrées des bâtiments ou alors aux endroits où je sais que les ennemis vont passer. Si par exemple il y a une trappe, je les pose là. Aux entrées des bâtiments parce que les rushers, s'il y a des rushers, ils se prennent les pièges de Capcan. Et puis au-dessus des trappes, s'il y a un termite ou un Ibana qui veut venir faire les trappes, ça peut toujours servir. Si quand vous n'êtes pas expérimenté, vous mettez les pièges un peu n'importe où. Et surtout ne mettez pas les pièges sur les castles. Les castles, c'est juste horrible d'avoir un piège dessus parce que bah c'est n'importe quoi quoi. Pour péter le castle, on est obligé d'utiliser une charge. Presque, sauf s'il y a un H, mais ça détruira le piège de Capcan. S'il y a un Selch, ça le détruira pas. Et si vous pétez les castles à coups de crosse, mais c'est très rare. Donc je vous déconseille vraiment les pièges sur les castles, plutôt sur les barricades en bois ou même quand il n'y a pas de barricade. Donc lui, il a 3 pièges, donc, et 3 de protection et 1 de vitesse comme en rook, faut aimer les balourds. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Je pourrais vous conseiller aussi Bandit ou Jaeger, à vous de voir. Si vous aimez les personnages légers qui n'ont pas beaucoup de protection et qui sont assez rapides. Donc Bandit, il a des fils électriques que vous pouvez mettre à toute paroi métallique. Donc fils barbelés, les murs renforcés et les boucliers déployables. Ça peut permettre d'empêcher un termite ou un Ibana de poser et puis ça peut faire chier dans les fils barbelés ou les boucliers déployables. Le Jaeger, très important, le Jaeger, il est pique à presque tous les matchs. Ça permet d'empêcher les grenades d'arriver dans l'objectif. Et c'est la défense directe contre fuse. Donc il est très très important. Jaeger a soit un fusil à pompe, soit la 416C, donc je vous conseille plutôt la carabine, qui est un fusil d'assaut et c'est le seul défenseur à avoir un fusil d'assaut dans Rainbow Six. Donc le fusil d'assaut, cette 416, est très très efficace. Par contre, elle a un recul un petit peu particulier, faut prendre le coup. Le P12, comme tous les membres du GSG9, et un bouclier ou des fils barbelés, je vous conseille plutôt les fils barbelés. Avec Bandit, vous avez toujours le pompe ou la MP7. Je vous conseille la MP7, elle est beaucoup mieux, je trouve. C'est une arme à haute cadence, si vous aimez les armes à haute cadence. Moi, c'est mon dada, comme on dit. Encore une fois, il y a une poignée directement intégrée, donc ça peut économiser quelques renommées. Toujours le P12, fil barbelé ou nitro, ça par contre c'est à vous de voir. Et on va passer maintenant au personnage des DLC. Frost, Valkyrie, Kavera, Echo ou Mira. Je vous conseillerais dans un premier temps Valkyrie, elle est très efficace avec ses caméras Black Eye. Elle a un environnement très efficace aussi entre le Space 12 si vous aimez les fusils à pompe ou la MPX que je joue personnellement et que je préfère. Avec le Desert Eagle en arme secondaire, bouclier de blague ou nitro, et je vous conseille la nitro. En deuxième choix, je vous conseille plutôt Frost. Frost avec sa 9 mm C1 qui est une mitraillette avec 34 balles. Jusqu'à 35, elle fait de bons dégâts. Là, par contre, une cadence de tir qui est quand même assez médiocre, mais sinon, elle a un bon recul, un faible recul, donc c'est toujours appréciable. Ou alors le Super 90 qui est un fusil à pompe. Par contre, lui, il a un très haut recul. C'est un fusil à pompe semi-automatique, donc pas besoin de recharger à chaque fois. La MK 9 mm,
en arme secondaire, qui est une arme très bien, de toute façon vous n'avez pas le choix. Bouclier des blabs ou le fil babelé, et je vous conseille le bouclier déployable plutôt. Voilà, donc elle a 2-2, donc 2 de vitesse et 2 de protection, et elle a des pièges par terre qui vont pouvoir permettre d'immobiliser les ennemis, donc très efficace. Valkyrie a aussi 2 points de protection et 2 points de vitesse. Kavera, faut être plutôt expérimenté pour la jouer, faut savoir ce que vont faire les ennemis. Faut connaître leur déplacement, faut savoir par où ils vont passer, etc. Et son louison et ses armes en général sont plutôt dures à manier, sauf le fusil à pompe. De manière générale, le fusil à pompe est assez facile à manier. Ensuite, donc je vous déconseille plutôt, ce serait un des derniers agents à acheter, sauf si vous êtes expérimenté. Pardon. Echo, lui, c'est un joueur, un personnage teamplay. Il a un drone qui va lui permettre de sonner les ennemis, de les désorienter. Donc lui, c'est rester objectif. Il a 3 de protection et 1 de vitesse. Donc je peux vous le conseiller aussi si vous aimez rester objectif, il est quand même assez efficace. Il a une MP5 SD qui a un silencieux intégré, donc ça vous fait encore une fois économiser 70 de renommée au moins. Avec une ACOG, une poignée verticale, elle est très efficace. Et vous pouvez aussi prendre le Bearing 9 en arme secondaire, la SMG qui est aussi très efficace, ou le P229. Et ensuite on a Mira, le dernier agent qui est sorti avec la Vector. Donc moi vraiment je vous conseille Mira, elle est très bien. Si vous aimez les armes à haute cadence, la Vector est faite pour vous. Elle est vraiment géniale. Le fusil à pompe, je déconseille en arme principale, je préfère vraiment la Vector. Et ensuite vous avez l'USP ou le deuxième fusil à pompe. Je conseille de prendre le fusil à pompe Plita 12S en arme secondaire pour Mira et l'USP pour Jackal. Parce que Mira, ça va lui permettre de péter des trappes ou alors de se faire des lignes, tout simplement. Nitro ou bouclier, perso je joue Nitro, mais ça c'est à vous de voir après. Il faut savoir qu'elle a 3 de protection et 1 de vitesse aussi, donc c'est un joueur objo. Et elle a des miroirs noirs qui lui permettent de voir les ennemis de l'autre côté, donc c'est quand même quelque chose de très efficace. C'est un peu comme Valkyrie de la prise d'infos, tout simplement. Voilà. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait pour les agents que je vous conseille pour débuter. J'ai presque plus de salive, les gars. Aussi, Ashe. Ashe, c'est une personnage que, si vous aimez les joueurs à 1 de protection et 3 de vitesse, franchement, c'est un personnage à prendre. Elle a un très bon armement entre la R4C et la G36 et une compétence qui est vraiment super. Donc, vraiment, je vous la conseille. Je vous conseille plutôt la R4C, mais ça, après, c'est à vous de voir. Je vous ai fait une vidéo sur Ashe, comment rusher avec elle. Elle est sur ma chaîne, je vous la mets en fiche tout de suite et je vous mets aussi en fiche la vidéo comment rusher tout court si vous voulez expérimenter ce style de jeu. Par contre, faut être un petit peu plus expérimenté justement pour pouvoir l'utiliser. IQ est aussi efficace, mais son gadget est moins utile, mais elle a aussi 2 armes très bien. 3 armes très bien plutôt. La Hog qui est une arme à très haute cadence que je vous conseille si vous aimez les armes à très haute cadence. La Commando qui est une arme plus stable, plus pour de la longue distance, pour prendre des lignes. Et la G8A1 qui est une batteuse un petit peu de 50 munitions avec une assez grosse cadence de tir. Et après elle a le P12 ou grenade frag et explosif. Voilà, je vous ai dit tous les personnages qu'il fallait utiliser en premier, donc je récapitule Sledge, Twitch, Fuse. Pour les DLC plutôt Blackbeard, Buck ou Ibana. Pour la défense, je conseille Mute ou Smoke. Je vous conseille Rook ou Capcan, Mira pour les DLC, Valkyrie et Frost. Et puis si vous aimez les 1 de protection et 3 de vitesse, Bandit ou Eager, à vous de voir, je vous conseille plutôt Bandit pour les armes. Qui ont un très gros recul et très grosse cadence, et pour les armes un petit peu plus stables, je conseille Jaeger, mais elle a un recul un petit peu particulier, encore une fois. Voilà, maintenant je vais vous dire les personnages que j'aime le plus dans Rainbow Six Siege, ceux que je vous recommande le plus, pas forcément pour débuter, mais les personnages que je joue le plus et que j'aime le plus. Donc on va commencer en attaque. En attaque, je préfère de largement Ashe. Ashe pour les rushs et jouer agressif, c'est le personnage que je prends en classé. Avec la team, vraiment Ashe est très très efficace avec sa R4C. Encore une fois, je vous renvoie sur ma vidéo comment bien rusher avec Ashe pour plus d'informations, mais elle est vraiment très très efficace.
En deuxième personnage que je pourrais utiliser très souvent, c'est Twitch. Twitch est très efficace aussi avec sa FAMAS. Encore une fois, je suis un grand fanat des armes à très haute cadence. Donc Twitch et HP avec la R4C et la FAMAS sont très efficaces et je les aime énormément. Le drone de Twitch est aussi très efficace et fun à jouer. Quel personnage je peux utiliser? J'utilise de temps en temps les boucliers. J'aime bien les utiliser. Donc encore une fois, Blitz si je veux me la jouer solo et Montagne si je veux plutôt la jouer teamplay avec en site, enfin en objectif bombe. En agent des DLC, j'utilise pas mal Buck. Buck j'aime bien ou Ibana. Et de temps en temps, Jackal pour le fun avec sa petite PDW9 pour faire des petits rushs. C'est toujours utile d'avoir 50 balles. En défense, Smoke j'aime bien. Je viens de m'acheter l'uniforme en plus, guerre chimique beige, là il est très beau je trouve. Smoke je l'aime beaucoup. Castle a un style de jeu un petit peu particulier. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Castle pour comment il faut le jouer personnellement, je trouve. Vous me dites, je le fais parce que Castle est très souvent mal utilisé, je trouve, et il peut faire perdre énormément de temps à l'ennemi. Pulse, c'est pas trop mon style de jeu. L'UMP, je trouve qu'elle a pas assez de cadence. Le JIGN en défense, j'aime pas trop non plus. C'est bien pour prendre des lignes de temps en temps, comme Echo. Les Spetsnaz non plus, pas trop. Jäger ou Bandit, surtout Bandit. J'aime énormément Bandit. Parce qu'il a encore une fois la MP7 et sa gadget, enfin son gadget est très efficace. Et ensuite en agent des TLC, j'aime Valkyrie. Valkyrie est bien, elle a 2-2, 2 de protection et 2 de vitesse. Et ça me pique, c'est très efficace. Encore une fois, une très haute cadence. Et Mira avec sa Vector, très haute cadence aussi. Donc vraiment, je vous conseille les personnages que je préfère vraiment des DLC, c'est Mira, Valkyrie, Buck et Ibana. Parce qu'ils ont tous des armes à très haute cadence. Et pour les personnages de base, j'aime Bandit, Smoke et Jaeger. Donc ces trois-là dans le coin. Et en attaque, Ashe, Twitch et c'est tout. Et les boucliers de temps en temps. Et puis IQ avec la Hog, mais c'est plutôt rare. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, au passage, c'est moi ou IQ n'a pas de P12 dans sa main droite. Vous me direz, mais je crois que c'est un Muzoc, comme le FBI. C'est un 1911 ou un 45, comme vous voulez. Il me semble que c'est pas un P12, ça. On dirait pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter quel agent vous préférez, vous, parmi ceux des DLC et du jeu normal, quel agent vous pouvez conseiller. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Je pense que je vais faire prochainement la vidéo des agents que je déconseille le plus et ceux que j'aime le moins. Un peu comme Tony FPS, j'avoue, mais comme ça vous permet d'avoir un autre point de vue. Voilà, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans pas longtemps, je vais faire une vidéo un petit peu blabla où je vais jouer en live. Voilà, ça va me permettre de vous parler un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage pour aider d'autres personnes et le petit subscribe, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!